Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après ce machinima d'intro qui, j'espère, vous a plu. Ça vous explique l'histoire de Clémence qui se retrouve sans abri, sans argent, sur ce terrain complètement vide, en plein hiver, enfin hiver, début printemps, même s'il neige, avec son petit chien Milo qui est juste ici, que je n'ai pas présenté. Et dans ce let's play, je vais essayer de m'en sortir sans argent, voilà. Sans argent, sans devoir travailler à nouveau, parce que du coup, Clémence détestait travailler, elle détestait son travail. Et du coup, j'ai décidé de me lancer ce défi, de repartir de zéro sans travailler. Là, elle est contente parce qu'il y a de la neige. Il y a Milo qui est en train de dormir. Pourquoi elle nettoie une flaque sur de l'herbe? Je ne sais pas. Donc Clémence va devoir survivre avec la pêche qu'il y a juste ici. On va essayer de récolter des plantes, récolter des minerais. On va essayer de faire en sorte de gagner de l'argent. Et il va falloir trouver absolument une gamelle pour Milo parce qu'elle doit aussi s'occuper de son petit chien. Et ça va être assez compliqué. On va essayer. C'est la première fois que je me lance ce genre de défi. Donc de base, c'est le challenge sans abri. Je n'ai pas respecté les règles. J'ai juste décidé de faire comme ça. On va commencer par pêcher un petit peu. J'espère que la pêche va être bonne. On va voir ce que ça va donner. Ah, peut-être une touche. Non? Ah! Clémence a attrapé. Oh non, de l'algue. Oh, c'est dommage. C'est quoi ça? Ah, pourquoi j'avais un tapis dans le. Tant pis, ça par contre je sais pas d'où ça vient. C'est quand j'ai fait le machinima, je pense qu'il me restait un petit tapis, c'est pas grave. Allez, j'aimerais bien quelques poissons. On a trouvé un coffre. Ah, je le garde, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Oh, une pièce d'amélioration de plomberie. Oh non, c'est une pièce de plomberie. On va vendre ça. 30 simflouzes. Bon, on va pas aller très très loin avec ça. Plus il fait froid, j'espère qu'elle va pas tomber de froid. Par contre, il va falloir trouver un moyen d'aller aux toilettes. Peut-être que si je me fais des amis, je pourrais peut-être aller aux toilettes chez les gens. Oui, histoire de squatter un petit peu chez les personnes qu'on connaît. Pour l'instant, on ne connaît personne, donc il va falloir trouver des amis. Un petit poisson. C'est quoi? Un guppy. Guppy, guppy, je ne sais pas comment ça se dit. Ça vaut 6 simflouzes. On va pas aller loin avec ça. Je sais pas combien ça coûte une gamelle pour chien. Je vais prendre aussi ce minerai. Je sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des plantes aussi? Je vais regarder s'il y a des plantes autour. Mufflier sauvage. Mufflier? Contempler. Non, je peux pas. On va également s'occuper un peu de Milo. Il y a des plantes. Rosier. Il y a un rosier ici. Qu'est-ce que je peux trouver? C'est tout, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein, hormis la pêche. Sur ce terrain, il n'y a vraiment rien. Là, il y a quoi? Il n'y a que des rosiers, mais je peux rien récolter du tout pour l'instant. Là, il y a juste à côté des barbecues. Je peux peut-être fouiller la poubelle. Non, je peux pas fouiller la poubelle. Là, je peux peut-être creuser. Creuser aussi ici. Là, il y a un plat. Je ne sais pas qui a fait ça, mais je vais le manger. Parce que on a faim, tout simplement. Voilà, elle a faim, elle a besoin de toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une capsule, qu'est-ce qu'elle peut bien contenir? Une capsule, ouvrir. Non, elle va mourir de froid. Mais comment je vais faire? Ça se trouve, je vais mourir. Elle va mourir. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener quelque part parce que sinon, elle va vraiment geler de froid. Et ça va être vraiment compliqué. On est le chien aussi. Il y a un sim là qui est en train de faire des pompes pour une raison obscure. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, on s'en piste pas grave. Deux pièces d'amélioration communes. Après, je vais revendre tout ça. Et du coup, on a trouvé un trophée, un gonk. Je connais pas. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un bar ou quelque chose comme ça? Boîte de nuit. On peut toujours aller à la boîte de nuit. Alors, pour vraiment que tu ailles aux toilettes, va ici. Allez, go. Dépêche-toi. Il y a des toilettes, Victoire, utilisées. Au moins, elle ne meurt plus de froid. Bon, elle a très envie d'aller aux toilettes. Je vais en profiter pour revendre ça et 81 simflouzes. Eh ben, ça va être compliqué. Ça va vraiment être très compliqué. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourrait dire bonjour à notre ami qui est ici danser avec Hiroshi? Présentation amicale.
Elle est fatiguée. Est-ce qu'il y a un canapé pour dormir ou quelque chose comme ça? Bon, au moins, elle s'est totalement réchauffée. Ça va un peu mieux. Par contre, elle commence vraiment à être fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas un canapé? Non, il n'y a pas de canapé. Il va falloir, à mon avis, que j'aille ailleurs. Parce qu'avec 81 simfouz, on va se déplacer. Aller avec Milo. Alors, où est-ce que je pourrais aller? Un endroit, je pense, à Magnolia Blossom, dans le parc. Je pense que je peux peut-être trouver des choses, manger et... Je vais voir. Bon, on va... Alors, prendre dans les bras. Demander d'aller faire ses besoins. Voilà. Est-ce que je peux trouver quelque chose? On va faire une sieste ici. Elle commence à être fatiguée. Est-ce que je peux ramasser la crotte? Ramasser. Parce qu'on va pas laisser ça là. J'ai cru qu'il allait marcher dedans, mais non. Clémence dort sur une banquette juste à côté des toilettes dans un parc. Tout est normal. On dort où on peut. Après, il va falloir manger et retourner sur le terrain pour donner à manger à notre petit Milo parce que bah, il va sûrement avoir faim au bout d'un moment. On va pouvoir lui acheter une gamelle et on va essayer de pêcher également. Et on va rentrer à la maison. Nous voilà de retour sur le terrain. Alors je sais même pas si j'ai assez pour une gamelle. Je suis même pas sûre. Je vais essayer de pêcher. On va essayer de pêcher un peu plus. Par contre, au niveau énergie, on n'a pas gagné grand-chose. Allez, j'aimerais bien avoir quand même de quoi acheter à manger ou quelque chose. On va manger ça, le plat que j'ai pas pris au final tout à l'heure. Cette nourriture qui va, à mon avis, bientôt périmer. 1h57 minutes avant péremption. On va la manger tout de suite, avant d'être malade. Allez, dépêche-toi. Et du coup, cette nourriture, on l'a pas payée, donc c'est bien. Ah, je peux pas le mettre dans mon inventaire vu que je le possède pas. Au moins, on mange. On va faire une petite sieste sur le banc. Le sommeil, il avance pas beaucoup, étant donné qu'on dort vraiment sur un banc. Par contre, oh, Milo, il commence à avoir faim, le pauvre. Peut-être lui donner une friandise. Donner une friandise. En plus, Clémence commence à sentir mauvais. L'hygiène, c'est pas ça. Le sommeil, c'est pas ça. Skiba. Oh, le pauvre. Vimpaglouche. Ça va peut-être aller un peu mieux. Par contre, ouais. Niveau hygiène, c'est pas ça du tout. On va faire comme on peut. Comment je peux faire? On va essayer de pêcher encore. Est-ce que je peux au moins essayer de prendre une gamelle? Ah, j'ai assez, 25. On sera une gamelle bleue. Il reste 50 simfouges. Je peux au moins remplir la gamelle. C'est déjà ça. Vraiment, c'est déjà ça. Oh, Oui, je sais, tu Tuga sens mauvais. Oui, je sais. On fait comme on peut. On va l'appeler pour qu'il mange. Voilà, au moins il a de quoi manger. Il y a une gamelle, on n'a que 46 simflouzes, ça va être compliqué. On va continuer à pêcher, même si on sent très mauvais. Oh non, il n'y a que des algues. Est-ce que j'irai pas dans un autre quartier? On va dire qu'elle va y aller à pied, fouiller les poubelles. Parce qu'à Willow Creek, il n'y a pas grand-chose. Ah, on a trouvé un autre poisson. Un doré jaune. Et ça vaut 25, 20 simflouzes. Oui, alors c'est pas grand chose. En fait, j'ai l'impression que je vais devoir vraiment au début, en tout cas, faire beaucoup d'allers-retours dans le quartier pour essayer de me laver sans pour autant prendre un travail. En tout cas, au début. Et je vais aller à Evergreen Harbor et je vais aller fouiller les poubelles. Nous voilà au bord de l'eau. Alors ici, on va pouvoir fouiller, chercher des trouvailles, chercher des repas. On va fouiller cette poubelle en espérant qu'il y ait quelque chose d'intéressant parce que là, c'est compliqué. Elle est fatiguée, elle en peut plus. Donc, j'espère que ça va aller. Voyons voir ce qu'on peut trouver. Oh, elle est crade. Saxophone en silhouette dans la benne à ordures. Oh. Vous voyez dans l'inventaire de votre foyer. On va continuer à fouiller, chercher des repas. Champignons nocturnes dans la benne à ordures. Ok. Chercher des repas, chercher des trouvailles. On va essayer de trouver le plus de choses possible. Voyons voir s'il y a quelque chose. J'espère. Baie de sureau nocif dans la benne à ordures. Ok. Alors, vénéneuse. Parce qu'elle est crue légèrement moins quand elle est cuite. Les manger procure un élan d'énergie. Par contre, le champignon nocturne, ça peut être pas mal parce que j'espère pouvoir le planter. Chercher des trouvailles, chercher des repas. Oh, je vais la fouiller jusqu'au bout. Hein.
7 simflouz. On va trouver du raisin également. Est-ce que je pourrais acheter une motte de terre pour faire des plantations? Je sais pas. Je sais pas encore. On va trouver une baignoire dans la benne à ordures. Ça y est. Elle s'est endormie, ça y est. Non. Qu'est-ce qui lui arrive là? A fait les poubelles. Cette sim crasseuse a peut-être trouvé d'incroyables trésors, mais elle ne peut pas s'empêcher de regretter un peu d'avoir fouillé dans des ordures. Je vais y arriver. Allez, de toute façon, tu vas continuer. Hein. Tu ne peux faire que ça, de toute façon. Un siège de salle à manger. On va faire une sieste dans la benne à ordures. Et ensuite, on va prendre une douche sous la pluie. Non, il a arrêté de pleuvoir, mais non. On va rentrer à la maison. Donc, Clémence sent très mauvais, mais au moins, on a pu trouver des choses dans la benne à ordures. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans l'inventaire du foyer. Nous avons trouvé des sièges de salle à manger. On va en garder une. On va vendre les autres sièges. Ensuite, siège à manger le confort du pirate. 900 simflouz. Oh, on a trouvé 900 simflouz, oui. Le tableau saxophone en silhouette, on va le vendre également. Et la baignoire, est-ce qu'on va pas garder la baignoire? Elle vaut combien? 450. Et si j'achète une douche, vraiment pas chère. Ça va être vraiment n'importe quoi hein, ce début. 335 pour une douche de camping. Voilà, prendre en rouge. On va mettre une douche ici. On a de quoi acheter également des toilettes. C'est une victoire. Juste en fouillant des poubelles, on a réussi à s'en sortir. En prenant ça, est-ce que je peux prendre autre chose? Donc pour le chien, il y a sa petite gamelle, donc ça va. Est-ce que je peux faire une micro-mini maison? Ça va coûter combien ça? Non, ça coûte vraiment trop cher. Ah, quoique si je mets ça comme ça, si je fais comme ça, j'ai de quoi avoir une mini maison. Donc je vais pouvoir... J'ai une petite maison, désolé je n'avais pas mis la lumière juste avant. On va prendre la porte la moins chère, hein, parce qu'on n'a pas d'argent. Hop, on va y mettre donc les toilettes, la douche, elle peut rester dehors, c'est pas trop grave. Donc ensuite, il me reste la douche que je vais laisser ici. Est-ce que j'ai de quoi acheter un lit? Je vais pas avoir de quoi acheter un lit. Un lit inconfortable pour les adultes. Un lit? Je peux acheter un lit? C'est une victoire. J'ai pratiquement le strict minimum. Si je mets les toilettes comme ça, et je mets le lit comme ça, je peux. J'ai la place. En laissant la douche dehors, et ben c'est super. C'est déjà ça. Est-ce que je peux mettre un petit toit? Logiquement, le toit, c'est gratuit. Nous avons une micro-maison. Et oui, voilà, Clémence a une maison. Je sais pas pourquoi j'ai laissé ça comme ça. Donc voilà, j'aurais peut-être dû acheter une lampe. Clémence va pouvoir enfin prendre une douche. Merci les poubelles. Elle peut enfin prendre une douche, malgré le fait que ce soit une douche de camping. C'est déjà ça, elle peut être propre. On va donner à manger à Milo. On va pouvoir aller aux toilettes et dormir dans un vrai lit. Enfin, oui, tu vas aller dormir, ne t'en fais pas. Il n'est pas en très bon état, il va falloir aussi... Mais est-ce que j'ai vendu au moins ma baignoire? Non, j'ai oublié de vendre la baignoire. Mais oui, j'ai oublié de la vendre. Donc elle est là. Qu'est-ce que je peux acheter? Est-ce que je peux acheter un chevalet? Le chevalet, il coûte 350. Je vais le prendre en bleu. Et je vais le mettre ici. Ensuite, je vais prendre un petit panier pour Milo. Je pense qu'après, je pourrais agrandir cette micro-maison dans un futur, j'espère, proche. Et voilà, Milo qui inaugure son petit panier. Enfin, son petit panier, son petit coussin panier. Pour moi, ça ressemble plutôt à un gros coussin moelleux, en fait. Elle commence à avoir faim. Entre-temps, on va pouvoir également creuser cette pierre, enfin cette roche. On va pouvoir également récolter des fraises qu'il y a juste ici. Donc ça, c'est super qu'il y ait des fraises. Il y a également ça à creuser. Ah, il y a à manger ici. Je ne sais pas qui a fait à manger, mais merci. On va pouvoir manger ça en très peu de temps. Tout a poussé, donc Clémence va pouvoir récolter toutes les fraises. Ça, c'est super. On va pouvoir également essayer de voir si on peut faire une plantation. On va essayer de ratisser large. Récolter les champignons également. Pareil, les champignons.
qui sont juste magnifiques. J'ai trop d'action en attente. Il est 9h du matin, donc c'est parti. Qu'y a-t-il dans cette roche? En vrai, je trouve qu'en très peu de temps, on peut s'en sortir en fouillant les poubelles. Oui, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une capsule, que peut-elle contenir? Alors, s'accroupir sur le sol, les vers et la terre, non merci Clémence, ne récolte pas du tout ce qu'elle a semé. Et non, je veux que tu aimes le jardinage, donc non. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'inventaire? Il commence à y avoir pas mal de choses, hein. Je vais ouvrir la capsule pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, je vais essayer de planter des choses. Et la roche calcaire, roche fossile. La roche fossile, on va la vendre 56 mflouz. Il y a quand même des fraises. Je vais les garder. Je vais essayer de les planter. Allez, mange autant que tu le peux. Est-ce que je peux les mettre? Non, je peux pas les mettre dans mon inventaire. Pareil. Je vais tout récolter. Et dans la capsule, nous avons trouvé un gonk. Un gonk. On trouve que ça pour l'instant. 25 simflouzes. Est-ce que je peux les planter? Je vais en vendre une. 29 simflouzes. Je peux les planter comme ça, sans la motte de terre. C'est pas mal. Je mets tout ça n'importe comment, de toute façon pour l'instant ça va être comme ça. Un petit carré de fraises, de reste je vais les vendre 54 simflouz. Pareil, le champignon, hop, ici. Je vais planter le plus de choses possible. Bon après les champignons ça rapporte pas beaucoup. Et le raisin, je vais le mettre aussi. Voyons voir pour ça. Oui, en fait j'ai de quoi acheter une jardinière. Je vais la prendre en marron foncé, je trouve ça plus joli. Et après, nous allons essayer de peindre. Alors, ça va pas être beaucoup, ça va pas valoir beaucoup au début. On finit de planter tout ça. Après, je vais tout mettre dans la petite jardinière que j'ai installée juste derrière. Ça commence à prendre forme, hein. Bon, il y a une petite maison, un chevalet. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça avance, ça avance. Voyons voir ce qu'elle est en train de nous peindre. Et voilà ce tableau qui vaut la même chose que, en fait, bon, on n'a pas gagné grand-chose sur cette toile, mais on va essayer d'en refaire une. Petite toile classique de 50. Et j'espère qu'elle vaudra plus que le prix de la toile. Oh, on dépense vraiment beaucoup de sous. Non, et pourquoi tu fais dodo là? Non, tu dors pas. Prendre une photo. Ah oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié que je pouvais prendre des photos et les vendre. On va mettre quelques filtres. Noir et blanc, ça peut être sympa. Hop. Et une comme ça. Alors, est-ce que j'ai des photos? Oui, j'ai gardé des photos. Alors, vendre. Et la toile vaut du coup 71 simflouz. Oh, Oui, c'est dégoûtant. Bah, stone. dans ces cas-là, lave la flaque. Essuie la flaque, pardon. Lave la flaque, oui. Et la photo, je vais en garder une, histoire d'avoir une maison un peu cosy. On va essayer. Et celle-ci, je vais les vendre. Ça fait 33 simflouz. Ajouter un cadre blanc. Maintenant, pour finir, je vais prendre tous les fruits pour les mettre ici. Enfin, du moins, en partie. Hop, ici, nous avons fraisier, pareil. Ici. Et les quatre fraisiers se trouvent dans la petite jardinière. Pour finir avec cette petite maison, parce que oui, il n'y a pas de lumière, je vais mettre quand même une petite lampe. Par contre, du coup, j'ai essayé de prendre une lampe qui ne consomme pas, si possible. Une lampe avec des bougies. Est-ce qu'il y a quelque chose hors réseau? Fonctionne hors réseau. Eh bien, voilà, une petite plante qui fonctionne hors réseau. Donc logiquement, il n'y aurait pas de facture d'électricité. Et voilà pour ce premier épisode. Je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Pour le début, en tout cas, l'objectif était de trouver de quoi produire. Donc nous avons les plantes, je vais y arriver, le chevalet. Et il y a le strict minimum, hormis de quoi cuisiner. Mais au moins, elle ne va pas mourir de froid pendant la nuit. Maintenant, elle a un petit lit, même s'il n'est pas très confort. Des toilettes, une douche, même si elle est à l'extérieur, une chaise qui ne sert à rien, mais on va dire qu'il y a une chaise pour la déco. Voilà, donc c'est déjà pas mal, je suis plutôt content. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour la suite. Salut, salut!